Ils sont devenus quoi, les bébés brunes? Mais si, le groupe Garage Rock du début des années 2000. En 2007, Adrien Gallo, Karim Réveillé et Félix Hémen ont entre 18 et 20 ans et sont de véritables rockstars à la française. Avec un album, Blonde comme moi, à la sixième chanson, on découvre un tube qui passe en boucle sur toutes les radios et marque toute une génération. Dis-moi, ça donnait ça. Dis-moi si je dois partir ou pas. C'est l'âge d'or de la mèche sur le côté, des jeans slim et des vestes en cuir un peu trop cintrées et aussi de MySpace. C'est d'ailleurs grâce au site qu'ils trouvent leur quatrième membre, à la basse, Bérald. Si on voit le groupe absolument partout, de la scène de la Starac à Taratata, peu à peu, ils se font de plus en plus discrets. Et je vais t'expliquer pourquoi. Tout d'abord, Bébé Brune, c'est aussi bien des albums qui s'enchaînent que des pauses, dont une de 3 ans, entre 2014 et 2017. Époque où Adrien se lance en solo, époque aussi où Julien Doré cartonne avec Paris Seychelles, où on voit débarquer les frérots de la Vega, ou encore Vianney dans le top 50 français. Bébé Brune revient avec un style plus électro avec l'album Puzzle, qui tranche avec les origines de leur musique. Puis refait une pause, puis revient à nouveau en 2019. Perdant au passage quelques milliers de fans, malgré un nouvel album plus rock que le précédent, Visage, dont on retient surtout le titre Habibi. Cette fois, les bébés brunes ne sont plus 4, mais 3, sans Karim, leur batteur. A l'époque, Adrien explique son absence par des raisons de santé et personnelles. À propos de son retour, le chanteur ajoute qu'il n'est pas exclu qu'il revienne dans le groupe le temps qu'il se soigne, qu'il aille mieux et qu'il ait la forme. Fin de citation. Karim n'est pas revenu dans le groupe depuis, donc difficile de savoir s'il va mieux. Il y a quelques semaines, il a posté sur son compte Instagram ce message vocal, véritable appel du pied, pour remonter sur scène avec les bébés brunes. J'attends avec impatience des retours de Félix, Bérald et Adrien pour monter sur scène au plus vite. Pas sûr que le message soit passé puisque ni Adrien ni Félix n'ont réagi à notre connaissance à son message. Avec leur nouvel album, le trio lui continue les scènes, lance sa tournée, puis l'arrête brusquement comme beaucoup d'autres artistes à cause du Covid. Depuis, le groupe n'est pas remonté sur scène et ne semble pas aujourd'hui prêt à reprendre la route des studios, des tournées ou des festivals. Adrien et Félix se concentrent actuellement sur leur carrière solo respective. Adrien serait en préparation d'un nouveau projet après son dernier album, Là où les saules ne pleurent pas. Malheureusement pour lui, ce projet n'a pas rencontré son public. C'est peut-être finalement dans les collaborations qu'Adrien s'en sort le mieux, notamment avec ce titre réalisé en duo avec Vanessa Paradis. On se pose en canon. Félix, lui, continue de promouvoir son nouvel EP intitulé Spirale. Bérald collabore, lui, avec Félix de temps à autre, toujours comme bassiste, et bosse sur ses propres projets. Après, comme le disent souvent les garçons, un nouvel album et une nouvelle réunion du groupe ne sont jamais vraiment impossibles. Mais à force de disparaître puis réapparaître, on peut se demander si les fans seront encore au rendez-vous. Je te laisse sur un autre tube des bébés brunes, à bientôt sur Minute Buzz. Tu me plaques.